Eh bien, salut tout le monde, c'est Paula 59 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve, et comme vous pouvez le voir, sur du Raid Shadow Legends. Donc, juste deux secondes, je vais baisser la musique. Voilà, et je vais baisser aussi le son du jeu pour pas que vous l'entendez trop fort non plus. Let's go. Donc, cette vidéo n'est pas une OP, elle n'est pas sponsorisée par Raid Shadow Legends, mais voilà, je voulais vraiment faire une vidéo dessus pour vous présenter un petit peu. Bon, moi j'ai débuté il n'y a pas longtemps, hein, je suis vraiment nul. J'ai une team qui est clairement à chier, hein, donc ça c'est mon perso principal que j'ai arrêté de monter. Vous voyez, il est niveau 40 max, car j'ai eu Kael, et Kael, je vais le monter. Vraiment au plus haut, je vais y mettre ces 5 étoiles et tout ça, que je suis en train déjà de commencer, comme vous pouvez le voir ici. J'ai déjà les 3 étoiles ici que je vais monter en 4 étoiles. Donc les c'est eux, ils servent à ça, hein, tout simplement, les verts, en fait les bonhommes verts vont me servir à faire monter en 4 étoiles les bonhommes bleus, et les bonhommes bleus vont me faire monter les persos que je veux garder. Donc là vous voyez que j'ai aussi lui que je garde dans mon équipe, car il est vraiment 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 pas mal. Il donne beaucoup de buff à mes personnages, et il soigne à mort mes personnages aussi. Donc voilà, donc je vous présente pas trop mes personnages, hein, ça sert à rien du tout, on s'en fout, je pense que vous connaissez le jeu. Là le truc que je fais, c'est je torche les tournois actuellement. Donc ici je suis pas encore à 100 pour avoir ceci, mais je vais monter tout ça. Là je suis premier avec 60, et le tournoi Golem de Glace, je suis passé 5ème parce qu'il est là depuis hier, et du coup bah, je vais grimper, hein, jusqu'au 750. Voilà. Et arrivé à 750, de toute façon je ne bougerai plus, je pense. Ça me sert à rien. Donc du coup j'ai 467 d'énergie. Ici j'ai 3 trucs. J'ai tout simplement fait mes ouvertures. Mais malheureusement, bah, ça, ces deux-là, c'est de la merde en fait. Ça sert à rien du tout. Le mieux, c'est d'avoir le épique qui a là. Bon, le bleu, il est pratique aussi, mais bon. Boost de champion ciblé, va voir les infos invocation pour obtenir plus de détails. Donc quand tu le fais, bah tu vois que c'est pas vraiment ouf en fait. C'est pas vraiment ouf. C'est pas vraiment ouf. Enfin bref. Du coup, je vais regarder ici lui. Voilà, moi j'ai mis lui en attendant pour le monter, parce que j'ai la flemme de le farmer lui. J'ai pas déverrouillé moi la mine, hein, perso. Je trouve pas ça utile au début. Même si tout le monde vous dit que c'est utile, en sachant que ça en donne que 1 en fait toutes les 4 heures. Enfin, capacité 5, en gros ça va vous remplir 5 toutes les 4 heures en fait, en gemmes, enfin en gem, enfin c'est des gemmes, donc c'est pas worse, je trouve. À voir une fois amélioré, mais pour l'instant c'est pas worse. Alors du coup nous allons bataille, donjon, hop. Donc j'ai déjà fait ces deux là, donc j'en ai plus, enfin je vais essayer, mais je pense que j'en ai plus quand je l'ai fait. On va regarder ça. Let's go, hop. Voilà, on va voir. Hein. Donc vous voyez que je fais pas énormément de dégâts non plus, hein, pour parce que je suis seulement en train de les monter, hein, mes personnages. Et mon équipe va changer assez vite. Ah si, j'en gagne encore, mais j'en gagne pas assez en fait, c'est ça le problème. Voilà, c'est pour ça que j'avais vite changé, c'est que j'en gagne pas assez. Du coup, on va rester au 3. Au 3, j'en gagnais 5 par 5. Je crois que c'était ça. Je gagnais 5 par 5, je crois, au 3. Donc on va rester sur le 3. Ah, il y a un bug. Allô? Allô? Le jeu a bug? Ah non, c'est bon. Ok. Le jeu avait bugué. Donc allez, c'est parti. Bah, là, on va laisser farmer, hein, en attendant. Et puis, si vous souhaitez discuter un petit peu, me poser des questions, bah n'hésitez pas dans les commentaires. Je pense que dans des jeux comme ça, bah c'est ce que je ferai généralement. Si vous souhaitez voir plus de Raid Shadow Legends, eh ben je répondrai à vos questions en fait. Je prendrai les questions dans les commentaires, je ferai une vidéo, et puis voilà. Voilà, 5 par 5, vous voyez. Bon, ça je vends, hop, et en plus on gagne aussi ça. Donc ça, j'en ai plus d'un million, c'est cool, c'est très pratique. Donc n'hésitez pas, hein, dans les commentaires à poser vos questions, j'y répondrai en même temps de farmer sur ce jeu. Donc ça serait cool, je pense, moi comme ça, ça serait pas mal. Donc je souhaite aussi m'excuser pour la vidéo
juste avant de Call of Duty. Pourtant j'ai bien fait le montage et tout ça, mais au moment du rendu apparemment ça a dû bugger, ça m'a remis tout simplement bah, les sons en fait. Tous les sons que j'avais coupés, bah ça a pas pris en compte. Je suis un peu déçu du coup. Mais voilà, au moins j'ai débloqué le nouveau sniper et c'est vraiment pratique. Bon, là on va parler un peu de Red Shadow Legends. Donc le jeu il est vraiment pas mal, mais malheureusement bah, le hic pour les joueurs random, donc les joueurs casu comme moi, malheureusement le truc qui est chiant c'est les énergies en fait. Il n'y aurait pas d'énergie sur le jeu il serait vraiment parfait en fait, je pense, pour moi. Et la possibilité d'avoir aussi des personnages légendaires sont vraiment très minimes. Du coup c'est pas ouf non plus. Il faudrait qu'ils règlent ça, ce qui crée Shadow Legends, hein, c'est que la possibilité d'avoir plus de légendaires en boost qu'autre chose, parce que c'est pas possible. J'ai fait une ouverture, j'ai pas encore eu de légendaire, hein. J'ai eu 2 épiques en une vingtaine d'ouvertures. J'ai fait 20 ouvertures bleues et 10 ouvertures violets, donc j'ai farmé, hein. J'ai pas mis d'argent sur le jeu. J'ai juste farmé, j'ai rien eu quoi. Sur 30 ouvertures, en gros, bah y a rien quoi. J'ai eu 2 épiques, ouais, 2 épiques, donc c'est pas ouf. En sachant que elle, attendez, je vais vous faire montrer. Elle là, je l'ai eu grâce au live de Gotaga quand on fait le tuto et tout ça, on reçoit ça en fait. On reçoit ça avec de l'équipement et tout ça. Et du coup je vais l'avoir une deuxième fois, donc ça va me servir à rien parce que elle dans mon équipe elle y sera plus à force. Donc c'est pas ouf. On va switch, on va prendre niveau 16, ça sera plus simple. Et ensuite on ira bah, faire le truc de glace pour repasser premier quand même. Même si je pense qu'avec mon level actuel je passerai pas premier. Enfin je resterai pas premier. Le premier tournoi que j'ai fait c'était le tournoi de débutant et j'ai réussi à rester premier. Mais là, est-ce que je vais y arriver? Ça, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, à voir, à voir. Voilà, let's go. On reçoit 0. Quoi? J'ai rien eu là? On va le refaire une fois pour voir. Et puis ensuite, on passera au suivant. Je vais pas faire que celui-là parce que ça va être relou à force. C'est relou. Donc le truc que je vais faire à fur et à mesure de mon avancement sur le jeu, c'est par exemple, vous voyez mon perso là au milieu, donc celle qui se reprend des PV à chaque fois, tout son équipement va aller sur KL après, car ce sera mon principal farmer en fait. Ah, oh ça c'est intéressant par contre. Ouais mais c'est que 3 étoiles donc non, je ne garde pas. Attendez, c'est pas du... Non, c'est pas ce que je veux, donc je m'en fous. Hop, ça dégage. Du coup, on va switch. Hop, on va aller sur le pic de glace. Et on va prendre le 16. Voilà, toi on va te jarter. Toi on va te mettre là. Et on va mettre toi. Non, ah bah non, il y est déjà. Du coup, on va mettre... soit elle ou soit elle. Non, enfin non, je vais mettre elle, comme ça je la monte d'XP en même temps. Même si elle va vite crever, mais c'est pas grave, je vais la monter d'XP en même temps. Si elle est là, c'est parce que, à mon avis, c'est ce que je faisais de base. Donc, let's go, on va faire ça. Donc là, c'est beaucoup plus simple, je trouve, à les tuer. C'est beaucoup plus simple. Ici, hop, j'appuie directement sur eux. J'appuie directement sur le boss, comme ça, ça tape que le boss. Je m'en fous du reste, en vrai. De toute façon, elle, je sais qu'elle va mourir de base, voilà. Mais je m'en fous des deux bonhommes à côté, là. J'ai pas... Ça m'intéresse pas plus que ça. Bon, j'aimerais frapper un peu, là. Ouais, nice. Il a réanimé le bon. Je pensais qu'il allait réanimer le mauvais. Voilà, hop, c'est fini. Hop, ça, poubelle. Let's go. Et on relance. Et on relance. Bon, j'espère que vous allez bien, sinon, hein, que vous passez un agréable... des vacances, en gros. Hop. On reclique dessus hein, parce qu'on sait très bien ce qu'il va faire. Hein. Il va réanimer ses petits bonhommes avec cette attaque là. Voilà. Donc le mieux c'est ce que vous devez faire. Hein. Farmer directement le boss. Hein. Vous ne tapez pas les mobs à côté, hein, ça sert à rien. Voilà, vous voyez. Ils ont même pas eu le temps d'attaquer là pour le coup.
Donc ça sert à rien du tout. Bon, on va regarder un petit peu où est-ce qu'on en est. Hop, au niveau du... Hop là, du tournoi. Donc tournoi du dragon, c'est bon, je suis premier avec 86. On va essayer quand même d'aller jusqu'au 100, mais ça je ferai hors vidéo, je m'en fous un peu. Et ici, je suis passé... Ah, je suis toujours cinquième, donc ouais, je vais devoir farmer à mort celui-là. Je vais devoir farmer à mort. Hop, ici on récupère ce petit truc-là. Mais avant, j'aimerais farmer un truc avec vous. C'est... Alors attendez, il me faut... Toi... Une bleue et une grise. Parce que j'ai envie de le passer 4 étoiles. C'est ça, hein, 4 étoiles violet, hein, si je me trompe pas. Du coup, hop. Une bleue, on va prendre celle-ci. Allez, Tigo, on va mettre toi et on va mettre mince, toi pour être sûr de la passer facilement. Let's go. Bon, bah je suis un casu hein, sur le jeu. Hein. Je suis vraiment un noob sur le jeu hein, de toute façon. Hein. J'ai fait de la merde dès le début de toute façon. De toute façon, dès le début, j'ai fait que de la grosse merde. Hein, je préfère le dire. J'ai super mal joué de base dès le début. Ah, d'accord. Voilà, let's go. Hop. Alors, est-ce que j'ai eu... Non, j'ai pas eu. Replay. Let's go. J'ai fait que de la merde de toute façon dès le début, donc c'est pas grave, tant pis. Ça arrive de toute façon. De toute façon, elle aura pas le temps de réanimer ses bonhommes. C'est pas ouf son bouclier, enfin je trouve un truc en anti-bouclier pour elle. Voilà, j'en ai eu un, hop, on peut faire retour. Maintenant on va faire Arkham, on va faire celui-là, let's go. On va mettre comme d'hab celui-là et elle est où? Là, voilà. Hop. Mes petits cheveux sont en train de jouer. Allez, j'ai bougé un petit peu mon décor en fait, enfin mon décor, mon salon, du coup, c'est très différent. En sachant que j'ai encore un petit truc à régler parce que mon canapé angle est un peu trop grand, je vais lui enlever un bout. Je vais clairement lui enlever un bout et remettre ce canapé correctement. Et ça va faire une grande place sympatoche. Bon, lui il meurt. Allez, donne-le-moi tout de suite, comme ça c'est fait. Non, pas du tout. Bah, allez, on recommence. Doucement, les chats. Ils sont en train de se mettre des claques. Là c'est con que j'ai pas la web, que j'ai pas mis la cam, je vous aurais fait montrer, c'est trop drôle. Ils se mettaient des petites claques sur la tronche. Hop, allez, let's go. Hop, on booste. Comme ça on tape plus fort. J'ai l'impression que même en étant boosté, mes persos ils font pas le taf, hein. C'est horrible. Ils font aucun dégage, j'ai l'impression. Après, j'ai une question pour vous, pour ceux qui jouent à Red Shadow Legend, comment on met les runes? Parce que j'ai des runes en fait, et je souhaite les mettre en attendant, hein, pour dire de booster un petit peu les équipements, mais je sais pas comment on fait. Il faut les level up maximum les équipements ou pas du tout? Parce que là, pour le coup, je suis un peu emmerdé, on va dire. Putain, j'arrive pas à avoir celle que je veux, hein, c'est horrible, je vais le faire combien de fois là? Je vais vous faire montrer juste après après ce run ce que je veux faire en fait. Parce que là, c'est un peu chiant du coup. Ouais, regardez, là je vais. Tous mes persos vont se booster, voilà. Ils se boostent en dégâts et en armure et je fais l'impression que je fais aucun dégât. C'est exactement la même. Les mêmes dégâts quoi. Voilà. Du coup, je vais vous faire montrer vite fait, on va aller au bastion. On va, du coup, c'est champion, du coup. Regardez, par exemple, là, j'ai mon équipement qui est plus 12. Et j'aimerais, c'est mettre ceci. Et je sais pas comment les mettre. Donc, apparemment, les verts et les bleus, ça sert à rien de les mettre. Hein. Le mieux, c'est d'avoir des légendaires et des épiques. Genre 4 étoiles et tout. Mais voilà, j'aimerais bah, les mettre sur mes équipements. Mais ça marche pas, en fait. Je peux pas. Je sais pas comment on fait, du coup. Parce que même en améliorant... Ah si, enchantement. Ah, ok, d'accord. Non bah c'est bon, je viens de trouver, merci merci à moi-même. Je viens de trouver, c'est bon, c'est en enchantement, donc il faut bien les améliorer, level max. Bon, comme vous voyez là en fait, attendez, je suis sur qui? Ouais, je suis sur elle. Vous voyez à peu près en gros, j'ai que du vampirisme. En sachant que normalement j'en ai eu un autre vampirisme. Voilà, j'ai eu l'arme vampirisme que je vais améliorer tout de suite.
Je vais l'améliorer tout de suite en niveau 8. Ouais, je mets tout en niveau 8 au début. C'est ce qui passe le crème le en premier. C'est ce qui passe crème en premier. Donc niveau 8 au moins comme ça, je suis tranquille. Bon bah là c'est comme par hasard ça a fail. C'est mon premier fail depuis que je joue. Hein. C'est mon premier fail depuis que je joue à ce jeu. Donc voilà, niveau 8. Hop, on va le mettre hein, directement à la place de ça. Hop, voilà. Je le mets direct. Comme ça, bah voilà, on va faire un peu plus de dégâts. Donc en attendant, je mets tout sur elle. Et ensuite, je mettrai tout bah, sur lui une fois qu'il sera bien up en fait. J'attends vraiment qu'il soit bien up. Et je, vous voyez, j'ai même pas encore de torse pour lui. Et je sais pas où. Je sais pas où avoir de torse sur lui. Bah là, du coup, je vais pas lui mettre. C'est de la merde. On va lui mettre à qui du coup? À toi, non? Non, super 1000. Oh, pardon. Hop. Ça, c'est une alarme. C'est pas grave. Toi, t'as 4 étoiles, donc c'est pas ouf. Bah, toi, en fait, du coup. Je sais que toi, ça, c'est de la merde, de toute façon. Quoi? What? Ah non, c'est pas de la merde du tout. Bon, bah, tant pis, on va laisser. On va garder comme ça. Après, je mettrai à lui aussi, hein, parce que lui, je l'ai pas mis. Horde, j'ai pas ce qu'il faut pour l'horde, je crois. Ça, c'est au elf, je peux pas lui mettre. Et ça, c'est pour homme lézard, donc je peux pas lui mettre, je pense. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Je peux pas lui mettre du tout. Donc en sachant que ça, je l'ai augmenté pour rien en fait aussi. Horde. Bon, let's go. On va continuer parce qu'il m'en manque un. Bah oui. Ah bah bien sûr. Faites tomber ma collection, je vous dirai rien. Attendez, j'arrive 2 secondes. Me revoilà. Bon, du coup. 5 combats en arène pour récupérer des énergies. J'en récupère une. Une bouteille. Ouais, mais une bouteille, ça fait 90, je crois. Bon, là, le truc qu'on va faire, je m'en fous de farmer tout ça. En événement, j'en suis où? Parce que je veux bien, moi, faire l'événement, mais apparemment... alors, chaque jour, gagner des points pendant un événement pour atteindre le gelon, nani, nani. Mais c'est quoi? Il est temps de développer des champions et faites leur... Gagner des niveaux et améliorer leur rang et mettre la main sur des superbes récompenses. Ouais. Améliorer de niveau, c'est 1 point. Et améliorer de rang, à partir de 2 étoiles, c'est 5 points. D'accord. Ok, ouais, il faut vraiment que je farme à mort ça en fait. Et les artefacts, c'est quoi? Non, ça je peux pas. Rush aux invocations. D'accord, ça c'est les invocations. Plus tu invoques, plus t'as de points. Et du coup, ça c'est 1 point, ça c'est 20 points. Ah, du coup, c'est pour ça que. Ok, que j'étais déjà ça. Ouais, mais c'est compliqué. Mais vraiment compliqué. C'est abusé. Déjà, des violets, on n'arrive pas du tout. J'arrive pas du tout à en récupérer. Alors là. Voilà, en plus c'est surtout pour avoir de la merde en fait. Même quand j'ouvre des bleus, j'ai que de la merde. C'est vraiment à chier en fait leur système de d'invocation. Sur Summoner's Wars, je me souviens que c'était beaucoup plus simple. Hein. Même sur Adventure Chronicle, je sais plus ce que c'est, que j'avais fait en live, si je sais pas si vous vous souvenez. C'était beaucoup plus worse en fait. C'était plus simple, je trouve, pour avoir quand même une bonne équipe. Là, c'est le seul bémol que je trouve au jeu, c'est de la merde. C'est de la merde les invocations, c'est horrible. Même en faisant des invocations vertes, c'était beaucoup plus simple. Hop. Et j'ai pas envie de mettre d'argent sur le jeu, ça c'est hors de question. Je suis pas un pigeon, une baleine comme Gotagaidi. J'ai horreur de ça de mettre des thunes sur le jeu, même si j'y joue H24, c'est hors de question que j'en mettrais. Ça c'est clair et net. Aussi, le truc que je peux faire, c'est par exemple avec mes gemmes, c'est. Vu que les gemmes on les a gratuitement, je peux mettre ça. Sauf que. 270 pour 60 000 argent et 3 éclats, c'est pas ouf. Pour moi, 270 gemmes, ça serait ça. Voilà. Pour moi. Pour moi, 220 000 et avec 11 éclats antiques, ça vaut le coup pour 270. Mais pas pour 900, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. C'est de la merde, en fait. C'est juste un pain to win, le jeu. Ça, pour le coup... Même si vous allez critiquer, mais ce jeu, c'est juste un pay to win. C'est hors de question que je mette de l'argent dans un jeu comme ça. Eh, je suis passé deuxième. C'est sur quoi? Le golem? Dis-moi que c'est sur le golem. Non, sur le golem, je suis toujours cinquième. Donc sur le dragon, je suis déjà passé deuxième. Ah ouais, bah je torcherai ça plus tard. Hein. J'ai la flemme. J'ai juste la flemme. Là, je veux juste mon... lui... Je l'ai pas encore eu, donc on va passer au stade supérieur. Hein. Hop. Ouais, avec eux, c'est bien. Let's go. Eh, ça suffit? Le bordel. Oh, allez, let's go.
Donc il faut vraiment que j'essaye d'avoir ça. Allez, il faut que je pense à faire des petites ellipses de temps en temps parce que mon record bug à mort, c'est horrible. Dès que je vais dépasser les 20 minutes, mon record va être décalé, c'est horrible. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'utilise le truc de ma carte graphique en fait, pour que vous avez une meilleure qualité et meilleur rendu. Et moins de lag, du coup. Voilà, let's go. Et j'ai pas eu ce que je voulais. Donc on va relancer. Et juste après celle-ci, je vais faire une petite ellipse pour sauvegarder un peu ce que j'ai déjà fait. Donc voilà, voilà. Donc après, on va faire un peu d'arène. On va faire un petit peu d'arène, même si... Ouais, non, je vais pas faire d'arène, ça sert à rien. Je vais pas faire d'arène. Laisse tomber. L'arène, c'est pas worse. Enfin, là, actuellement, mon level, je suis pas worse du tout. Hop. Je l'ai toujours pas, hein. Bon, je reviens tout de suite, hein. Ok. Voilà, allez, let's go. C'est parti. On relance. C'est horrible. C'est horrible, c'est pas worse du tout en fait leur jeu. Je suis un peu déçu du coup. Je suis vraiment un peu déçu en fait d'être en fait forcé, on va dire, à mettre de l'argent sur le jeu. Je me sens forcé à mettre de l'argent sur le jeu, c'est incroyable sur ce jeu. Parce que sinon ça avance pas. Si vous êtes un joueur casu ou un joueur qui ne souhaite pas mettre d'argent pour le jeu, eh ben en fait ça n'avance pas quoi. C'est horrible. C'est l'impression d'être obligé. Regardez, même là, vous voyez, il me faut juste une bouteille, enfin une big bouteille de potion grise, enfin arcane, et j'en reçois pas quoi. Même pour les invocations, c'est pareil, c'est pas worse en fait. Vous avez des invocations, enfin des gemmes bleues en fait pour l'invocation. Vous avez pratiquement pas de bleu quoi. Rien que le bleu, c'est déjà c'est assez rare d'en avoir. Donc c'est pas ouf. Vous avez des épiques, vous avez justement des épiques. Et quand vous avez des légendaires, vous ne recevez pas de légendaires. Donc c'est un peu ridicule. C'est genre 10 légendaires, sur 10 légendaires, vous en avez un quoi, c'est pas ouf. Il aurait fallu mettre 50% de chance sur les légendaires. C'est ridicule de mettre 8% de chance. Je sais pas, déjà que c'est galère d'avoir des gemmes légendaires. Enfin, moi je dis des gemmes parce que ça ressemble à des gemmes. Mais des invocations légendaires, c'est compliqué d'en avoir. Alors, mettre 8% ou 6%, je crois, un truc comme ça, c'est pas ouf. Hein. Bon. Là, on va continuer. Il y a beaucoup de défauts en fait sur le jeu. Il est bon, c'est un bon jeu de farm en fait, mais il y a trop de défauts en fait. Obligé de mettre de l'argent sur le jeu si vous souhaitez avancer, c'est ridicule. Let's go, allez, on recommence. Et puis c'est bon, enfin arrêtez de se foutre de ma gueule. Allez, tu vas me donner celui-là. On va faire un truc. Hop, on va mettre. Il est où? Ils sont où mes potes? What? Je l'ai plus? Ah si, elle est là. Hop. Bah non, de toute façon, toi, t'es plus worse du tout, toi. Eh, on se calme. Les chocs font le bordel, quoi. Bon, on va laisser sur tranquillement. On va même le faire sur soi-même, tiens, le boss. Ça sera plus simple. Bon. Voilà. C'est pas ouf du tout. Elle est pas ouf du tout le perso. C'est horrible. Voyez, arrivé à un moment, je fais plus de dégâts en fait. C'est ça qui me saoule. Pourtant, j'ai monté mes persos assez fort, hein, mais. J'ai l'impression qu'en fait, eux, leurs debuffs là, leurs debuffs qu'ils mettent, fonctionnent. Mais moi, mes buffs que j'ai l'impression qu'ils fonctionnent pas du tout. Hein. C'est horrible. Merde, je me suis trompé de bouton. C'est juste horrible, quoi. Et je suis en x2, hein. J'ai l'impression que ça n'avance pas. Ah, bah voilà, enfin. Allez, hop, ça joue. Ça joue. Allez, hop. Bah, casse-toi, toi, avec ton poulet. C'est dans taverne. On prend toi. Let's go. On t'en met. Ta dernière étoile. Comme ça, c'est plus simple. Let's go.
Du coup, maintenant, le truc que je peux faire, par exemple, à lui, c'est... bah déjà, les level 1, là. Merde, non, j'ai dit les level 1. Hop! Voilà. On recommence. Parce que j'ai... Alors, attendez, il est où? Là, hop. C'est un quoi, lui, déjà? Merde. Oh là là. C'est un quoi, lui, déjà? Je m'en rappelle plus. Bleu. Ok. Ah, j'ai pas de bleu. J'ai pas de bleu. Oh, fais chier. Tant pis, j'ai du rouge, c'est déjà ça. Voilà, toi tu montes un peu parce que toi aussi faut que je te monte de toute façon. Voilà, lui il faut que je le monte aussi de toute façon. Et je vais commencer, je pense, à lui mettre des équipements un peu. Parce que voilà, tout ça là, tous ces équipements qui sont là, ils vont aller sur lui. Parce que lui, vous voyez, voilà, il a déjà le casque. Donc ça c'est cool, hein, en vrai qu'il a déjà le casque. Parce que le casque, je l'ai pas mis sur elle. Mais je vais tout récupérer en fait de elle pour le mettre sur lui. Voilà, parce que vous voyez qu'il est en PV, il est pas ouf, hein, en vrai. Hein. En PV, il est pas ouf et en vitesse non plus. En sachant que elle, en vitesse, par contre, elle a 140, 151 de vitesse. C'est ma plus rapide des persos, hein, pour l'instant. De base, avant, c'était elle, parce que j'avais que elle, en fait. J'avais E2 et je montais elle. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai fait que de la merde sur le jeu. Est-ce que je peux te mettre des trucs en attendant? Bon, attendant, déjà, je peux lui mettre ça. Parce que c'est une légendaire. Ça, c'est un bouclier qui est pas ouf. Je gagne juste de la défense. On va te mettre ça en attendant. Ce sera déjà ça. Pour l'instant, je vais lui mettre ça. Ce sera déjà ça. Il aura déjà un petit peu plus de trucs. Parce que. Il est pas ouf celui-là. Et du coup, on va faire ça. Voilà, tout ça. Hop, vendre. Ça va le chat, tranquille, tu joues? Voilà. Bon, là le truc qu'on va faire, c'est... Dans le marché, il n'y a rien. Non, ça c'est dans 6 minutes, faut que j'attende. Je sais pas ce qu'on va faire, mais on va le faire. Je sais pas quoi faire, justement. Je sais pas quoi faire, j'ai 1 million, quoi. Et 1 million, je peux même pas les dépenser. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte, je peux pas les dépenser. J'ai envie de farmer, en fait. C'est ça le truc, j'ai envie de farmer des donjons. Ah vache, oh, tu vas appuyer, oui. On va faire le 11. On va faire le 11. Et on va t'enlever, toi. Tu pues du cul. On va te mettre toi à la place. Voilà. Et puis, hop, let's go. On va faire le 11 et let's go. Hein. On met en automatique, j'ai la flemme. En attendant, bah voilà quoi. On va faire une petite accélérée de ce passage. Et puis, je reviens vers vous. Juste après, hein, en attendant de farmer un petit peu, hein, d'accord? Donc je vous dis à tout de suite, hein. Re tout le monde, donc voilà le truc qu'on va faire en fait là tout de suite, c'est une petite pause farm. Là perso, je vais faire une petite pause farm, j'ai envie de faire un truc en fait. Ça, j'ai 1 million, franchement, j'en peux plus, je fais pas de dégâts, j'ai l'impression. Du coup, on va. Voilà quoi, on va. Ouais, mais est-ce que si je l'augmente, attendez, le mieux c'est que je le change, non? Parce que là, si je fais retirer par exemple, ouais, c'est 20 000, et celui-là, si je le retire. 50 000. Ouais. Donc est-ce que ça serait pas plus worse? Attendez. Ouais, 20 000, non, ça change pas en fait. Donc c'est bon. Non, en vrai, c'est bon. 20 000. Ouais, non, c'est bon en fait. Parce que là, c'est un plus 12 par exemple. Et si je le retire, ça reste à 20 000. Donc non, ouais. Bon, allez. Let's go. Ouais, c'est le monstre plus puissant. Oh la vache, eh! Voilà, plus 12, ça va y aller, allez, laisse tomber, prends ça plus tard. Hop, on va le faire des gens plus 12, ça va bien. J'ai quand même claqué 1 million pour ça. Oh la vache, oh la vache, eh! Mais what? C'est quoi cette chance de merde là? J'y arrive pas, allez! Mais grave! Mais oh la la, j'ai cruisé! On vous quoi, hop! Oh, mais quoi? Et si je tape là? Ouais. Mais c'est pas possible, c'est quoi cette chance de merde là en vrai? Pardon quoi.
Oh la vache, c'est dégueulasse. C'est horrible. Là, j'ai abusé pratiquement 200 000, déjà. Eh, tu as ton cul, oui. Oh là là. C'est n'importe quoi. Vous voyez, c'est de la grosse merde, c'est n'importe quoi. Tout ça juste pour dire, mets d'argent sur les jeux, tu verras. Ça sent mieux. Ouais. C'est du foutage de gueule, la chance que j'ai. C'est bien, allez. Mais quoi, pardon quoi, mais ta mère, bah, franchement, ça commence à saouler votre jeu. Ouais, j'ai les gens, mais laisse tomber. Voilà, il a bugué. On va se bloquer. Bah voilà, putain, elle est en deux ans, mais je casse les couilles. Putain, hop, allez, tout ce que j'avais pas monté, plus 12. Allez, on recommence. Du coup, plus 12. Oh là là là, c'est horrible. Oh là là. Allez, moi, c'est 200 000. J'ai plus 1 million, je suis pauvre. Là, vous allez voir directement descendre le prix, vous voyez. Oh yeah. C'est un 4 étoiles. Je suis en train de galérer pour un 4 étoiles. C'est n'importe quoi, faut qu'ils arrêtent sérieux. Ça m'énerve. Voilà, ah, plus 12, connard. Voilà, plus 12, plus 12, plus 12. Let's go. C'est déjà mieux, hein. C'est déjà plus propre quand même. Info des stats. Ah ouais, 11 000. Attaque, je suis à 1175. C'est pas ouf, hein. Par contre, ma défense, elle est à chier. J'ai l'impression que ma défense sur mon perso, elle est à chier. Ok, y a rien de bien. De base, je les prends, ça. J'ai entendu un bruit bizarre derrière moi. De base, je les prends, ça, vous voyez, ces trucs-là, là. Les persos, je les prends, de base, mais... J'en ai marre. Ça me fait perdre de l'argent pour rien. Hop, et niveau 11, c'est cool. Hop, de l'énergie. Voilà, je suis à 350 d'énergie, maintenant. Et re tout le monde, donc voilà. Donc, on va faire ce que je voulais faire juste avant. Mais avant, je regarde un truc, voilà, ça, hop. Ah, il y en a un à 200k là. Hop, on prend. Let's go. On ouvre celui-là d'abord. Et en fait, on va faire un donjon de boss. Enfin, un boss raid, pardon. On va faire un boss raid directement. Bon, bah, j'ai eu un bleu. Vous voyez, c'est un peu pas ouf en fait. Hein. Écrase cercueil. Encore ? Mais ça fait déjà deux fois que je l'ai, lui. Bon, c'est pas grave. Hop, alors, let's go. On va faire un boss raid. Normalement, j'ai une clé. Ah non, j'ai même pas de clé. Dans combien de temps? Merde. Dans 3 heures, j'ai un boss clé. Une clé pour un boss. Oh, c'est pas ouf. Parce que là, en normal, je faisais du 460k. En une clé. Et en, enfin, en 60, pardon. Et en normal, je faisais du 247 000. Donc, c'est pour ça qu'il me faut une clé. Donc, je testerai de mon côté. C'est pas grave. Du coup, on va faire l'araignée, comme j'avais dit en premier. Hop. Voilà, l'araignée, j'ai passé que l'étape 2, en fait. Donc, on va refaire pour voir le 1. On va refaire le 1. Donc, on va jeter toi et toi. On va mettre toi et toi. Voilà. Donc, toi là, toi là, toi là. Voilà, c'est bon. Let's go. On va tester. Voir comme ça si ça passe ou pas. Je ne pense pas que ça va passer. On va pas jouer en automatique. On va jouer moi-même. Ou je laisse... Non, je vais laisser en automatique pour tester. Ah ouais. D'accord. Je laisse en automatique pour tester et après on verra. Alors. Qu'est-ce que ça donne? Bon, déjà, au moins, les araignées, elles ont pas le temps de pop pratiquement, en fait. Parce que je tape les araignées direct, limite. Bon, là, il y en a un peu beaucoup, par contre. Ouais, je fais déjà beaucoup plus mal qu'avant. Et je me prends déjà beaucoup moins de dégâts, même si je me prends beaucoup de poison. Le poison va pas rester longtemps, normalement. Trollolo. Voilà, il n'y a plus de poison. Il n'y a plus de poison, vous voyez. Direct. Ouais, bah là, bah ça passe, quoi. Je passe crème, quoi, en gros. Bah, c'est nickel. Mais c'est good. Bon, il n'y a plus qu'à maxer ça au niveau de... Pour avoir plus de... De dégâts, mais sinon ça passe crème en fait. On va essayer le deuxième. Le deuxième, donc le level 9. Let's go. On essaye le level 9 pour voir. On va voir. Le petit chat, bonjour. Ouais, ça passe nickel, je pense. Bon, tu te pousses le chat. Tu me gênes là. Allez. Voilà. En automatique, si ça passe crème, ça passera crème si je le fais en manuel, donc c'est cool. Hop. Ouais, ça passe crème. Hein. Là, je vais me prendre un petit peu de dégâts, comme vous pouvez le voir. Et grâce à lui, en fait,
Bon, pas maintenant, mais après il va le faire, je pense. Je vais. Les poisons, ils vont disparaître en fait. Tous les effets de poison, ils vont disparaître. Bon, lui, par contre, ouais, il faut que je le change, lui. Mais les autres, ils sont nickel, quoi. Je fais pas mal de taf. C'est cool. Mon équipe, elle est good. Il faut juste que j'enlève à lui, quoi. Oh, il s'est tout pris dans la gueule, par contre. Voilà, fini. Oh, une belle petite bague. Bon, elle est blanche, mais c'est une belle petite bague pour les elfes noirs. C'est cool. Je la garde ou pas? Ouais, on va la garder. Bon, on va faire le suivant pour tester. On va continuer un petit peu et puis on va s'arrêter là, hein, après, de toute façon. Mais bon, je voulais tester absolument pour voir si ça passerait crème ou pas. Mais là, pour l'instant, même là, je fais peut-être moins de dégâts, mais ils ont pas le temps, en fait. Elle a pas le temps d'utiliser son ulti pour éclater toutes ses araignées pour récupérer de la vie, en fait. C'est ça qui est cool. Ah, là, elle a eu le temps, par contre. Problématique. Mais bon, j'ai toujours mon armure, ça c'est encore mieux. Ah non, mais bouclier, pourquoi elle a un bouclier elle? Pourquoi c'est elle qui a le bouclier? Normalement c'est lui. Il faudrait que je regarde ce que j'ai mis. C'est bizarre. Bon là par contre, ouais, il prend là. Là il prend cher lui. Donc ouais, c'est ma limite. Il faut vraiment que je les monte, mais là c'est la limite que je peux atteindre. C'est cool. Franchement, c'est cool. Bon, on va voir ce que ça donne. Oh là là. Il prend cher, lui, hein. J'adore parce qu'il récupère des PV à chaque combat. Bon, lui, il va utiliser son ulti pour le raise. Voilà. Lui, il faudrait qu'il utilise son ulti aussi. Ça serait bien. J'adore les résistances. Allez, utilise ton ulti, toi. Ça serait bien. Là, j'ai du mal à passer, par exemple, vous voyez. C'est hyper long. Hein. Attendez. On va le faire manuellement, on va regarder. On augmente les dégâts. Ouais, on va augmenter ça. Je réfléchis un peu hein, pour voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, bah toi tu peux pas du coup. Ok. Il va mourir. Voilà. Je m'en doutais qu'il allait mourir. Bah ouais, il l'a déjà utilisé. Fallait s'en douter. Let's go. Il l'a déjà utilisé. Hop. L'eau de bébé araignée. J'adore quand c'est marqué l'eau de bébé araignée, c'est trop drôle. Voilà. Ensuite, bah du coup on n'a pas le choix. Mais j'aimerais utiliser son attaque, lui, son ulti là. Bah on peut pas. Hein. Bon de toute façon il est mort, donc l'araignée est morte. Quoique. Ouais si c'est bon. Voilà, on l'a passé quand même. Bon ça par contre je vends. Hop. On l'a passé quand même, même s'il y a des modifications à faire, mais on l'a passé. Ah, intéressant. Ok. On l'a passé quand même, c'est cool. Bon. Bah, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bah, d'ailleurs, j'ai terminé une quête, c'est cool. Hop. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Patati, patata. Vous connaissez le topo. Je vais pas le répéter, ça sert à rien. Mais voilà, donc c'était un bon run, je pense, parce que là, maintenant, j'ai une bonne team, j'ai juste à modifier, bah, comme j'ai dit, elle. Elle, je vais la jarter, voilà, tout simplement, en fait. Quoi, c'est un haut elf? Mais non, c'est pas un haut elf. Ouais, c'est ce me semblait. Bah du coup, en attendant, bah toi, tu vas te récupérer une bague. Mais non, c'est pas toi. Ah non, c'était à elle que j'avais mis elfe noir, pardon. Je suis fatigué, moi, ça y est. Ouais, bah voilà, bah on va. Elle. Voilà. On garde ces 4-là. Et elle, bah faudra que je trouve autre chose en fait pour la remplacer. En attendant. Donc un boomer ou un truc comme ça, vous voyez, un genre de. Comme lui en fait. Genre lui, par exemple. Bon, pas lui parce que je pense qu'il est pas ouf.
Ouais, voilà, il est pas ouf du tout. Je vais voir s'il n'y a pas mieux dans mon stuff là, actuel. Non, pas du tout. Non, bah non. Peut-être toi. Non, il n'y a que 80. Non, bah non. Non, bah faut que je voie. Il y a un petit peu. Attendez, dans la chambre, j'en ai 10. Il n'y a pas quelqu'un bien là-dedans. Genre toi. Genre toi, par exemple. Ou un elfe encore, mais les elfes, je crois que j'en ai assez. Mais lui, peut-être qu'il y a moyen. On va regarder. Vite fait. Mais non, mais. Non, il a que 121 avis. Non, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Regardez en arène et tout. C'est pas ouf du tout. Ouais. On va la remettre dedans. Voilà. Tout ça, c'est mes persos que je vais devoir. Détruire, hein, voilà. Je vais monter mes persos 2 étoiles au niveau max pour les mettre en 3 étoiles et les 3 étoiles niveau max pour les mettre à 4 étoiles pour monter lui à 5 étoiles ou monter les 3 étoiles à 4 étoiles. Voilà, en gros, c'est ça que je veux faire. Voilà. Donc là, oui, là, on va aller ici et puis on va s'arrêter là. Donc t'es où? T'es là. Non, mais pas toi. Toi. Voilà. Bon, vous savez quoi? Je vais les mettre, ça me saoule de les avoir. Je sais pas à qui les donner, ça là. C'est des violets, j'ai pas de perso violet, je crois. Ouais, j'ai pas de créature violette. Donc voilà. Dans ma team, j'ai pas de créature violette. Voilà. C'est du bleu, du bleu, du bleu, du vert. Ah, du vert, mais pas longtemps. Du rouge, voilà. J'ai pas du tout de créature violette. Arcane, du coup. Non, le violet, c'est quoi déjà? Je m'en rappelle plus. Bon, tant pis. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao bye tout le monde.